Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous sommes mardi le 23 novembre 2021. Je vais maintenant faire l'appel nominal. Donc, Joanne Lacombe, je suis la présidente du conseil. Nous avons le vice-président, conseiller Boudria, et nous avons les conseillères et conseillers, la conseillère Assois, la Bonsoir. conseillère Briand, la conseillère Burns, le conseiller Charon, le conseiller Lemelin, le conseiller Mariage, le conseiller Rainbow, la conseillère Savoyer, le conseiller Thibodeau. Nous avons les élèves conseillères Dilolo et Turmel. Au niveau de l'administration, nous avons le directeur de l'éducation, M. Bertrand. Et au niveau des membres de l'administration, M. Barre, Mme Châtelain, M. Dubois, M. Dupuis, Mme Goulard, M. Nudja, Mme Paquette, Mme Samson, Mme Hurdle, et nous avons la conseillère politique à l'intérim, Mme Simoneau, et au niveau de la technologie, M. Charlebois. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais demander au conseiller mariage de faire la prière, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans cette semaine de sensibilisation à l'intimidation et de la prévention, je vous encourage et je nous encourage tous à ne plus être passifs, mais d'être plutôt instruments de la paix. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fait que je ne recherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre et être aimé qu'à aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que se retrouve soi-même, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, conseiller mariage. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aimerait reconnaître que la terre partagée sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et reconnaître les Gayenganaga Mohawk ainsi que les Anishinabés et un long historique de communautés métisses. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. De plus, nous soulignons qu'Ottawa est une terre d'accueil pour les Inuits hors région et que cette communauté grandissante contribue à la beauté et richesse de la capitale nationale. Malgré les centaines d'années qui se sont écoulées depuis la signature des premiers traités, ces derniers demeurent toujours pertinents aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au point 3, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais vous proposer d'ajouter à l'ordre du jour un point sous communication et appui, le point 12.7, partage locaux avec la communauté. Donc, on a une petite mise à jour de ce côté. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Monsieur Bertrand? Non, rien d'autre de notre côté, Madame la Présidente. OK, parfait. Donc, que soit adopté tel que modifié lors du jour de la séance ordinaire du CESCE du 23 novembre 2021, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Burns, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Merci. Le point 4, déclaration de conflit d'intérêt. Donc, si vous avez un conflit à déclarer maintenant, de le faire ou au cours de la rencontre, s'il y a quelque chose que vous devez soulever, de le faire également. Maintenant, le point 5, au niveau des honneurs et mérites. Alors, chers membres du personnel du conseil et membres de l'administration, membres du personnel, distingués invités.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est tient à souligner de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves ou d'organismes partenaires qui, par leur engagement, font briller le Conseil. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CSSCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, la table politique a l'honneur de reconnaître 11 élèves de la communauté scolaire du CSSCE. L'année dernière, ce groupe constitué d'élèves talentueux a mis sur pied un projet entrepreneurial, créatif et éco-responsable d'envergure dans le cadre du programme Focus Affaires. Dans le cadre de ce programme, les élèves ont participé au concours administré par Junior Achievers Ottawa. Il s'agissait d'un programme d'entreprise virtuelle de 15 semaines qui a offert à plus de 120 élèves de 30 écoles secondaires situées à Ottawa l'occasion de se familiariser avec les notions de l'entrepreneuriat et du monde des affaires, en plus de collaborer avec des mentors bénévoles qui les ont aidés à monter leur petite entreprise de toutes pièces. Parmi les participantes et les participants, ces 11 élèves des écoles du CSSCE ont lancé une entreprise étudiante d'emballage alimentaire réutilisable en cire d'abeille nommée Bico. Grâce au potentiel de leurs produits et à la qualité de leur déploiement, Bico s'est d'abord mérité plusieurs prix lors de la finale régionale de GA Ottawa. Puis l'entreprise s'est taillée une place à la finale de la compétition GA Canada sous la catégorie entreprise sociale. Comme l'a si bien dit la présidente de Bico, Chloé Paventi, l'entreprise a fièrement fait partie du top 3 des entreprises canadiennes de GA. Le projet Bico avait comme mission principale de réduire l'usage des pellicules de plastique alimentaire pour contrer le problème de pollution. Dans le cadre de leur projet, la vente de 106 unités a permis d'éviter le gaspillage de près de 4 km de pellicules de plastique alimentaire. Les élèves ont également utilisé des produits biologiques achetés auprès d'apiculteurs locaux afin de prioriser l'usage de matériaux locaux, durables et respectueux de l'environnement. De leur profit, ils ont également versé 450 $ à la fondation de Bee City Canada pour la protection des insectes pollinisateurs. La table politique est fière de constater que cette équipe de jeunes motivés a su faire preuve d'innovation, notamment en proposant des solutions durables pour résoudre un problème concret, mais aussi en utilisant les technologies et en misant sur l'achat en ligne. Le CSSCE a pour mission d'inspirer chaque élève à découvrir ses passions, à développer ses talents et à s'investir dans l'humanité. C'est donc avec beaucoup de fierté que le Conseil vous voit devenir de jeunes penseurs critiques et créatifs, des adultes affirmés et épanouis et des éco-citoyennes et éco-citoyens engagés et éthiques. Chers élèves, si aujourd'hui nous sommes ici, c'est pour souligner votre parcours impressionnant et votre esprit entrepreneurial aiguisé qui vous a mené si loin dans cette aventure. Alors, ces jeunes esprits créatifs, qui sont-ils? Cette grande liste nous rappelle que l'union fait la force et que le talent se retrouve véritablement dans toutes les écoles du CSSCE. Voici le nom des membres de l'entreprise et les postes qu'ils occupaient lorsqu'ils ont remporté leur prix lors de la finale régionale de Junior Achievers. Donc, félicitations à, alors pour l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, Chloé Paventi, qui était la présidente, Alexandra Turmel, vice-présidente des ressources, Tristan Marcoux, directeur des finances. Pour l'école secondaire catholique Samuel Genet, Christian Rosemont, qui est maintenant gradué, il était le directeur de production. Pour l'école secondaire catholique Franco-Ouest, Jorel Buquera, qui est gradué également, il était le vice-président aux ventes. Cole Gagné, qui est gradué également, il était vice-président marketing. Pour l'école secondaire catholique Paul Desmarais, Alexander Chambers, vice-président des finances.
Samuel Marchetti était associé marketing et responsable des TI. Joshua Ross, directeur des ressources humaines et responsable action sociale. Et pour finir avec l'école secondaire catholique Garneau, Emma Lindquist était associée marketing. Matt Savio Iruma était vice-président de production. Donc, très impressionnant lorsqu'on entend tous ces noms. C'est vraiment une très belle entreprise. Donc, j'aimerais inviter maintenant Madame Julie Sénécal, qui est enseignante au programme Focus Affaires et Éducation Coopérative, mais aussi consultante spécialisée en affaires sur le projet BICO, à bien vouloir prononcer quelques mots. Madame Sénécal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lacombe. Merci, chers membres du conseil, pour la belle reconnaissance. Là, je m'adresse vraiment aux élèves parce que je sais qu'ils sont connectés. Je veux vous dire toutes mes félicitations. C'est une superbe, belle reconnaissance. Le défi était grand parce qu'on vous a présenté un projet sur une page blanche. Alors, vous deviez tout revoir, fixer des objectifs, trouver des solutions, apporter, justement, trouver les moyens de vendre vos fameux produits. Et vous avez vraiment réussi à travailler de concert et en collaboration. Vous avez réussi tout ça avec brio. De là, en fait, je voudrais ajouter aussi à tous que les jeunes de BICO ne sont pas la relève entrepreneuriale de demain. Ce sont les entrepreneurs d'aujourd'hui, de notre époque. Des fois, on a un peu tendance à dire que les jeunes, ils font leur classe, ils font leur chemin, puis plus tard, ils vont réaliser des grandes choses. Je crois qu'il faut un peu mettre de côté cette pensée et leur donner la chance de réaliser justement leur plein potentiel. Alors, Groupe BICO, je suis tellement fière de vous. Je veux vous remercier pour votre passage. J'ai aussi énormément appris de vous, chers entrepreneurs, et j'espère qu'on va pouvoir se croiser dans le futur. Alors, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et encore toutes mes félicitations. Bravo, BICO! Merci beaucoup, Madame Sénécal, pour ces beaux mots et d'être avec nous ce soir. Donc, la table politique est vraiment honorée de reconnaître des élèves empathiques, déterminés à bâtir un monde meilleur maintenant et pour plus tard également, et n'ont aucun doute quant au brillant avenir qui les attend. Le conseil vous souhaite le meilleur des succès dans la poursuite de vos études ou projets d'entrepreneuriat, quels qu'ils soient. Donc, merci beaucoup encore de votre présence, Madame Sénécal. Merci beaucoup également aux élèves qui ont pu participer et nous voir ce soir. On nous sommes vraiment fiers. Donc, merci beaucoup encore et je vous souhaite une bonne soirée. Parfait. Donc, nous allons poursuivre après cette belle présentation avec la suite des choses de notre rencontre. Alors, point 6, audition de contribuables et délégations, c'est sans objet pour ce soir. Alors, nous sommes au point 7, adoption des procès-verbaux. Alors, la séance ordinaire du 26 octobre 2021. Est-ce qu'il y aurait des choses à apporter? Sinon, je vais lire la résolution. Que soit adopté, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 26 octobre 2021, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Boudria, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 8, questions découlant des procès-verbaux. Est-ce qu'il y aurait des questions à soulever? Il n'y en a pas? Parfait. Donc maintenant, le point 9, études et des politiques. Le 9.1, la politique 1.0, rémunération des conseillères et conseillers scolaires et des élèves conseillers. Donc, c'est les allocations qui ont été versées pour 2021-2022. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y en a pas, je vais lire la résolution. Que le conseil approuve les allocations des conseillères et des conseillers scolaires pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Donc, la présidence à 16 240 et 18 sous. La vice-présidence 13 101 et 68 sous. Conseillères et conseillers scolaires 9 963 et 18 sous. Tel que proposé au rapport CECCE 2021, Affidavit 03 est présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 23 novembre 2021. Donc, proposé par
La conseillère Assoy, appuyée de la conseillère Burns, en faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Maintenant, le 9.2, la politique 1.1, style de gouvernance, les dérogations mineures au règlement de procédure en vue des élections à la présidence, à la vice-présidence et aux différents comités. Donc, comme vous le savez, notre séance annuelle au mois de décembre aura lieu par le virtuel. Donc, il faut apporter quelques petites dérogations pour faire les élections potentielles. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions suite au rapport que vous avez reçu? Et c'est la même chose qu'on a faite l'année passée également. Sinon, je vais lire la résolution. Que la table politique accepte exceptionnellement pour la séance annuelle d'organisation de décembre 2021 de déroger des paragraphes 2.05, 2.07 et 2.09 de l'article 2 du règlement de procédure du Conseil et de se prévaloir de la procédure électorale présentée au rapport CECCE 21-22 JS04, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le 9.3, la politique 3.2, situation et activité financière. Donc, les états financiers 2020-2021, utilisation de l'excédent non engagé. Monsieur Bertrand. Merci, Madame la Présidente. Donc, l'administration dépose devant vous l'utilisation proposée de l'excédent pour l'année scolaire dernière. Il faut se rappeler que c'était une année vraiment particulière avec plusieurs imprévus et l'administration a pu tout de même là, assurer les services, les appuis nécessaires dans les écoles. Et en raison de plusieurs périodes de fermeture, s'est trouvé dans une position avec un excédent. En plus là, des ajouts de financement qu'on a obtenus aussi en cours d'année du ministère pour justement aider avec la gestion de la COVID. On vous propose là, des utilisations de cet excédent pour en engager dans certains projets une somme là, qui serait versée dans l'excédent non engagé. Ici, on parlerait d'un un investissement dans quelques projets qui nous permettra à l'administration là, vraiment de clore certains dossiers et de venir en aide. Donc, on parle ici d'une somme qui pourrait servir à des projets comme le maintien des actifs au centre éducatif, mais aussi dans les écoles spécifiquement, donc l'école Marie-Rivier, pour venir financer des terrains sportifs comme un terrain de basketball extérieur, une piste de course, un terrain de soccer, des équipements de scène. Si le conseil approuve la recommandation de l'administration, permettra aussi de finaliser le projet complet de la climatisation du Collège catholique Samuel Genet, qui date d'un certain temps. Donc, ça viendrait permettre à l'administration de climatiser l'ensemble du bâtiment, qui date, là, encore un projet qui a été fait par tranche depuis plusieurs années, mais cette recommandation viendrait permettre cela. En plus de d'autres projets que vous avez, dont la rénovation d'un bâtiment à l'école à Kemptville, des infrastructures technologiques et informatiques, ainsi que contribuer au plan stratégique. Comme vous le savez, on déploie aussi un nouveau plan stratégique en janvier 2022, ainsi qu'une somme pour le projet en cours à l'école au cœur d'Ottawa. Donc, voilà, s'il y avait des questions, il me ferait plaisir d'y répondre. Parfait. Merci beaucoup, M. Bertrand. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions suite à ceci et au rapport? Non? OK, parfait. Je vais lire la recommandation. Que la somme de l'excédent non engagé de 906 000 $. Oh, oui, conseiller mariage? Oui, excuse. Je constate qu'il y a comme 9 recommandations dans ce rapport-là. Est-ce que je peux proposer juste une résolution comme quoi que soient adoptées les recommandations contenues dans le rapport, puis nomme le rapport? Puis on peut les adopter tous en même temps. Est-ce que c'est correct comme ça, M. Bertrand, ou vous les avez besoin séparés? On peut mettre les mêmes proposeurs et appuyeurs pour chacun si au besoin, là, mais si on les adopte tous en bloc, on peut dire que ça a été adopté. Okay. Je suis à place de lire toutes les résolutions, à moins qu'il n'y ait que les gens ne sont pas d'accord. Mais. OK. Est-ce que les gens sont assez d'accord qu'on mette le même proposeur et appuyeur pour chacun, mais qu'on les approuve en bloc? Oui? OK.
juste avant de faire les résolutions en général, est-ce qu'il y aurait des questions sur quelque chose de spécifique de qu'est-ce qui a été élaboré? Sinon, je vais demander un proposeur pour approuver comme telle les recommandations en bloc. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Conseiller mariage, appui de la conseillère Savoie-Dé. En faveur? Parfait, c'est adopté. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, on va aller au prochain point, qui est le point 10, rapport des comités. Donc, le 10.1, comité de la participation des parents, 18 octobre 2021. Monsieur Bertrand, qui fera le rapport? Je crois que c'est le conseiller Thibodeau qui présentera le rapport, Madame la présidente. Oui, conseiller Thibodeau. Oui, ça va. Alors, première, je veux remercier M. Dubois et l'équipe m'avoir préparé le rapport. Alors, la réunion a eu le 18 octobre 2021. Alors, parents, partenaires en éducation, résolution et gouvernance. M. Dubois et Mme Dumouchel expliquent le nouveau modèle de gouvernance proposé par PPE. Cette modification n'apporte aucune modification aux frais d'adhésion. Forum des parents, planification 2021. M. Dubois fait une mise à jour sur le Forum des parents qui se tiendra le 20 et qui a eu lieu le 20 novembre 2021 en virtuel et mentionne que M. Gregory Charles sera le conférencier invité. Le thème choisi était pour cette journée regarder vers l'avant. Et je crois que c'était quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Guide de retour et mesures d'hygiène dans les écoles. Mme Châtelain présente aux membres le guide de retour pour l'année 2021-2022. Comment naviguer efficacement sur la plateforme où trouver différentes informations? Planification stratégique. Mme Kayla Fontaine présente brièvement le plan stratégique. Les consultations furent une très belle réussite malgré le contexte dans lequel elles ont eu lieu. Numéro 5, atelier pour les parents. Mme Isabelle Delisle présente les 15 ateliers qui seront offerts aux parents et qui ont été développés pour répondre à la stratégie en santé mentale du Conseil. Processus renouvellement de la membriété 2021-2022, M. Dubois présente les grandes lignes du cheminement critique et informe les membres des postes vacants pour voir, tout en invitant les membres sortants à soumettre et intéresser leur candidature. Et finalement, planification annuelle 2021-2022, Mme Vaillancourt présente la planification annuelle 2021-2022, aucun sujet n'est ajouté. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceci met fin à la présentation de mon rapport. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Thibodeau. Conseillère Savoie-Dé, vous avez une question ou un commentaire? Oui, merci. J'aimerais savoir, par rapport au forum des parents qui a eu lieu en fin de semaine, est-ce que vous avez des statistiques, combien de personnes ont participé au forum des parents? Monsieur Bertrand? Puis j'ai une autre question après aussi. Je vais inviter le surintendant Dubois à vous fournir ses détails. Je crois qu'il les a avec lui. Oui, effectivement. Merci, conseillère Savoie-Dé. On avait 264 inscriptions, puis en bout de ligne, on a eu près de 100 parents actifs ou en ligne lors du samedi matin. Puis, pour une première, on a collaboré également avec parents partenaires en éducation qui ont animé ensuite les conversations par la suite. OK, parfait. Merci. Puis, conseillère Savoie-Dé? Oui, c'est ça. Question supplémentaire. C'est simplement, en tant que parent qui malheureusement n'a pas pu participer, mais qui planifiait, comme on sait, surtout les fins de semaine avec les petits, des fois... Je pense que c'est probablement ce qui est arrivé aux 163 parents aussi qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas été capables de participer. Est-ce qu'il y aurait une façon qu'on pourrait partager le contenu avec les parents de nos élèves? Je ne sais pas si ça serait si ce serait possible de partager une vidéo du conférencier ou encore, je ne sais pas, comme un petit sommaire ou quelque chose pour qu'on puisse apporter la richesse des discussions et la richesse de ce qui a été offert à nos parents parce que j'ai entendu Gregor Charles parler, c'est un véritable cadeau qu'on a offert à nos parents et puis 100 personnes, c'est excellent, puis je suis tellement fière de nous et puis est-ce qu'on est capable de partager ça avec encore plus de personnes? Donc, Madame la Présidente, si vous me permettez, ce que je devrais faire, Madame Savoie-Dé, c'est vérifier si on a dans le contrat cette option-là. Puis si oui, ça nous fera plaisir là,
de partager avec l'ensemble. Parfait. Merci. Merci pour la question et les commentaires, conseillère Savoie-Dé. Pour moi-même y avoir participé, c'était une très belle conférence. Puis tout moment qu'on peut avoir M. Charles venir nous parler, c'est un très beau cadeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, je vais lire la recommandation. Que soit reçu le rapport du comité de la participation des parents du 18 octobre 2021, proposé par la conseillère Burns, appuyée de la conseillère Savoie-Dé, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le 10.2, comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 10 novembre 2021. La conseillère Briand. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je n'irai pas en détail parce que nous aussi, on a eu la visite de M. Guy Dubois. Merci beaucoup de vous être déplacé pour venir nous parler du forum. C'était bien intéressant. Puis, j'espère qu'on va pouvoir vous recevoir encore une fois pour d'autres événements. Maintenant, aussi, on a eu une mise à jour sur les statistiques des différents programmes offerts par le transit. Également, Mme Nathalie Lalonde-Dani, était enseignante en affectation spéciale, est venue pour nous expliquer les différents programmes du processus d'offre de placement par le biais accès coordonné. Également, nous avons une présentation du projet pilote stimulation langagière intensive, rééducation orthophonique intensive. C'est Mme Anne-Marie Talbot et Mme Josée Galipeau, orthophonistes et éducatrices ressources en langage, qui nous ont présenté la mise à l'essai du nouveau programme de stimulation langagière intensive. Ce programme-là vient remplacer le programme que nous avions qui était réparti sur 3 ans. Maintenant, je crois que le projet pilote là, va commencer en mars prochain. Également, nous avons reçu une autre lettre du conseil de district Colatrillium Lakelands qui désire apporter son appui au projet de loi 172 qui exige que tous les conseils scolaires de l'Ontario élaborent des politiques et des lignes directrices concernant le trouble d'alcoolisation fœtale. Et ceci conclut mon rapport, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup, conseillère Briand. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires? Sinon, je vais lire la recommandation que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 10 novembre 2021, proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Rainbow, en faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Le 10.3, comité de vérification du 16 novembre 2021. La conseillère Briand. Je crois que ce sera Madame. Oh, excusez, M. Bertrand. Oui. Oui, non, merci. Je vais inviter Mme Hurdle à faire un survol des échanges lors du comité. Merci, M. Bertrand. Donc, le comité s'est rencontré le 16 novembre, la semaine passée. L'administration a présenté l'ébauche des états financiers qui ont été vérifiés par notre vérificateur externe au comité. C'était les états financiers, naturellement, de l'année qui se terminait le 31 août 2021. Le comité a revu les états financiers et recommande que le conseil les approuve. Le rapport annuel aussi du comité de vérification qui est présenté au ministère, le rapport qui fait état des mandats de vérification qui ont été complétés, a aussi été présenté au comité et le comité recommande aussi l'approbation de ce rapport-là par le conseil. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'ai trois recommandations. Donc, la première, que soient approuvés les états financiers vérifiés, consolidés 2020-2021 du CSSCE, tels que recommandés par le comité de vérification du 16 novembre 2021 et présentés lors de la séance du conseil du 23 novembre 2021, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté.
La prochaine recommandation, que le rapport annuel 2020-2021 du comité de vérification soit soumis au ministère de l'Éducation tel que recommandé par le comité de vérification du 16 novembre 2021 et présenté lors de la séance du conseil du 23 novembre 2021, proposé par la conseillère Assoy et appuyée de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et la dernière recommandation, que soit reçu le rapport du comité de vérification de la science publique du 16 novembre 2021, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup. Juste avant de poursuivre au 10.4 et les autres points, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui aurait dû parler pendant les honneurs et mérites et dont j'étais pas au courant. Donc, je m'excuse, Tristan. Alors, Tristan Marcoux, qui aimerait peut-être dire quelques mots au niveau de la compagnie Bico. Alors, je te donne la parole, Tristan. Merci beaucoup, madame. Notre produit, c'était un bon succès, mais je veux vraiment dire que je crois que je peux parler pour vraiment comme tout le groupe de 12. Quand je dis que le vrai succès, c'est vraiment c'est ce qu'on a eu la chance d'apprendre ensemble. Je tiens vraiment à remercier le conseil pour ce programme de focus formidable qui a permis à le rassemblement d'élèves à travers plusieurs écoles, que nous avons tous une vision du futur. Je veux vraiment, vraiment remercier Mme Sénécal aussi pour les nombreuses heures qu'elle a passées à nous guider, à nous cheminer vers notre plein potentiel. Et les membres de l'équipe qui ont surpassé les nombreux défis pour créer un produit tout à fait fantastique. C'est avec l'engagement constant et les amitiés qu'on a établies, là, on a été capable de promouvoir un environnement durable. Parfait. Mais merci beaucoup, Tristan. Vraiment beau travail. Puis je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Puis on est vraiment fière de tout le travail que vous avez fait, puis je suis certaine que ça va devenir encore le plus grand succès. Merci d'être resté, Tristan. J'apprécie beaucoup que tu puisses nous dire quelques mots. Merci encore. Merci. Parfait. Donc, le 10.4, le huis clos, on va y revenir parce que nous n'avons pas terminé. Le 10.5, rapport des comités, oui, c'est ça, des comités huis clos. Le 11, le monitoring, donc c'est sans objet. Nous avons quand même le huis clos du 9 novembre qu'il faut passer. Excusez-moi. Le huis clos du 9 novembre. Alors, s'il y a-t-il des questions, des choses à souligner? Sinon, je vais demander à un proposeur, s'il vous plaît. Conseillère Savoie-Dé, appui de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Le huis clos du 23 novembre, donc d'aujourd'hui, nous sommes vraiment avancés dans le mois, donc je ne réalisais pas que c'était aujourd'hui, alors on va y revenir plus tard. Le point 11, monitoring, c'est sans objet. Nous sommes donc maintenant rendus au point 12, communication et appui. Alors le 12.1, l'Association canadienne des commissaires d'école catholique, donc l'ASEC, vous avez reçu une information au niveau de la prochaine congrès. Conseiller Boudria, voulez-vous mettre la table un peu pour ce sujet? Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai l'honneur d'avoir été le dernier conseiller à participer au congrès de la SEC, étant donné qu'il n'y en a pas eu l'année dernière. Puis, lors de mon compte rendu de la rencontre de la dernière fois, j'avais fait référence à l'importance de cette organisation-là pour nous. Pour défendre nos droits constitutionnels et tout le reste. Puis vous le savez, ceux et celles qui sont ici depuis quelques années, c'est une organisation nationale qui est alignée avec nos valeurs catholiques. Donc, surtout cette année, le congrès a lieu en Ontario et la FOCSC et le Conseil scolaire Mon Avenir sont les co-hôtes avec les conseils catholiques anglophones de la région de Blue Mountain, dans la baie géorgienne. Donc, ce serait, selon moi, une opportunité, surtout qu'on a l'option d'aller virtuellement cette année, de participer virtuellement, d'avoir une délégation un peu plus forte de notre côté qu'on est habitué. Déjà, on envoyait une personne, puis
D'autres sont allés. Là, je regarde le conseiller Thibodeau, le conseiller Briand. Je pense même le conseiller Lemelin est allé une année aussi. C'est un congrès qui est riche en informations pour nous. Bien que dans certaines provinces, étant donné qu'il n'y a pas de conseil scolaire catholique, c'est des regroupements d'écoles privées qui ne sont pas tout à fait alignés avec nos valeurs. Nous, on est un conseil financé à même le gouvernement. Donc, ce que j'aime rapporter à la table, c'est une proposition qu'on ouvre les nominations pour plus qu'un représentant du conseil, là, plus qu'un délégué, mais qu'on participe virtuellement. Et puis vous, je comprends bien, Madame la Présidente, vous participez au nom de la FOCSC et vous allez jouer ce rôle-là lors du congrès. Donc par-dessus votre présence, ce que je proposerais, c'est de garder la possibilité d'avoir plus qu'un délégué ce coup-ci virtuel. Puis je sais qu'il faut donner une réponse avant la fin du mois, et la fin du mois arrive vite. Donc, c'est opportun qu'on ait au moins une décision ce soir sur qu'est-ce qu'on fait avec cette année, mais je proposerais peut-être qu'on regarde reconsidérer notre approche pour les années à venir, mais ça ne presse pas pour ce soir. Là. Ce soir, il faut soumettre des noms par la fin du mois de novembre. Le congrès a lieu au début du mois de juin. On espère que la pandémie sera finie, mais on ne sait pas. Et rappelons-nous qu'on demande à nos élèves et nos enseignants de patienter avant de faire des sorties éducatives. Donc, c'est tout à fait normal que nous, on enverrait dans ce contexte-là aussi une délégation virtuelle pour, on s'attend à la même chose de nos employés, donc donner l'exemple. Donc, voici ce que j'avais à rapporter là-dessus, Madame la Présidente. OK, parfait. Merci, conseiller Boudria. Donc, alors vraiment, si je pense qu'il n'y a pas besoin potentiellement d'une résolution comme telle ou virtuelle, parce que toute personne peut participer au virtuel. Alors vraiment, je pense que le message qu'on passerait, c'est si vous pouvez y participer du niveau virtuel, ça serait bien qu'on ait une grande présence pour ce prochain congrès. Et par la suite, on pourra demander de mettre une autre rencontre sur l'ordre du jour en bonne et due forme pour passer une résolution si jamais on veut changer le nombre de personnes pour les prochains congrès en personne. Est-ce que c'est bien avec vous, conseiller Boudria? Oui, c'est tout à fait ce que je propose, oui. Oui, OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur ce congrès ou qu'est-ce qu'on vient de discuter? C'est clair? OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, conseiller Boudria. Merci. Maintenant, le 12.2, donc le rapport des élèves conseillères. Donc, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Oh, désolée, je vais essayer d'aller parler. Désolée, Marianne. Bonsoir à toute la table politique. Je veux m'excuser pour les difficultés techniques. Ma connexion n'est pas assez bonne pour que ma caméra soit ouverte ainsi que mon micro. Donc, je vais commencer notre rapport ce soir avec une synthèse de notre rencontre du réseau des élèves qui a eu lieu hier soir, donc le 22 novembre. Durant cette rencontre, les élèves ont eu une discussion libre sur les projets futurs de leur GDE respectif. Ils ont abordé des événements comme le jour du souvenir, où ils ont fait des bricolages, des cérémonies virtuelles, des activités de réflexion, etc. La semaine du respect qui se déroule présentement, ainsi que Noël. Donc, il y a beaucoup de spectacles virtuels de talent et de musique qui vont se dérouler, énormément de décorations d'école, semaine thématique de Noël et autres activités qui vont respecter les règles de santé publique, évidemment, mais qui vont quand même être plaisantes pour les élèves. Le réseau a aussi commencé à discuter du sommet des élèves, qui est en avril 2022, où 8 élèves par école sont sélectionnés pour discuter d'enjeux importants. Donc, le réseau est vraiment excité d'entendre à propos de ce projet. Je vais maintenant passer la parole à Marianne. Parfait, merci beaucoup, Danielle. Donc, moi, je vais vous parler de la FOCSC. Donc, on a eu notre première rencontre du Sénat des élèves le 3 novembre. Pendant cette rencontre-là, on a fait une révision du mandat et de la Constitution. Il n'y a aucune modification qui a été apportée. Nous avons aussi eu de l'information à propos de l'élection, ainsi que le processus donc, pour élire les membres du Sénat comme exécutif. Nous avons aussi eu un aperçu des ateliers offerts au congrès de l'IFOCSC qui va se dérouler en mai 2022. Nous avons pu aussi partager des sujets d'intérêt, des discussions qui nous tenaient à cœur, aussi bien que des idées d'ateliers
Donc, des mentions spéciales que moi, j'ai retenues personnellement, entre autres, comment travailler avec la communauté, aussi la santé mentale reliée à la COVID, l'amélioration des ressources, la sensibilisation sur les difficultés d'apprentissage. Et il y a aussi une proposition qui n'était pas comme les autres, c'était atelier de yoga. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont proposé ça, puis que je pense que ce serait une très bonne idée aussi. Nous avons aussi des activités amusantes, comme révéler notre paire de souliers préférés, pourquoi. Donc, c'était beaucoup d'activités brise-glace. Et on a une réunion planifiée le 1er décembre afin d'élire l'exécutif du Sénat. Donc, on va, pendant cette rencontre-là, on va pouvoir regarder la motion de confirmation pour la première ministre du Sénat et aussi les postes possibles à combler. Donc, là, je vais aussi vous parler de la, revue brève du congrès de la FNCSF auquel j'ai assisté. Donc, le congrès a été présenté et animé par le duo d'Improtéines. Ils ont aussi composé une petite chanson pour introduire la FNCSF. Donc, moi, j'ai trouvé ça très rigolo, puis c'était une très belle présentation et une très belle introduction. Alors, le segment 1, c'était d'un décideur à l'autre, l'argumentaire de vente. Donc, l'introduction des panélistes de cette discussion, c'était des membres de la FNCSF. Puis, j'étais vraiment surprise à quel point les gens, ils venaient vraiment partout à travers le pays. Ça a laissé place à des points de vue différents et c'était vraiment captivant. J'ai aussi appris un nouveau mot lors de cet atelier, donc c'était, ou de ce panel, c'était le démarchage. Donc, c'est une technique de vente qui consiste à contacter le client à son domicile. Il y a eu un moment que j'ai retenu en tête. Donc, il y a eu une question qui c'était « Quelles sont les erreurs à éviter? » Et un des panélistes a répondu « Moi, j'ai jamais fait d'erreur. » Donc, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Mais en général, c'était vraiment, vraiment informatif. Il y avait aussi un exemple de question comme « Avez-vous déjà fait face à des élus qui ne voulaient pas vous écouter ou ne pas vouloir comprendre? Et vous avez fait quoi? » Donc, ça, c'est juste un exemple de question qui est ressorti à travers cet atelier-là. Donc, le deuxième atelier auquel j'ai assisté, c'est « Les élus scolaires sont-ils un reflet de la population dans nos écoles? » Donc, on a eu des panélistes très intéressants, notamment Valérie Assoy, qui est présente parmi nous aujourd'hui, et aussi la secrétaire générale de l'UNESCO, Rhoda Muse. Donc, c'était très intéressant. J'ai beaucoup pris en note les réponses des panélistes parce qu'elles m'ont beaucoup marqué, surtout pour cet atelier-là et ce panel-là. Donc, dans cette discussion, ils ont beaucoup mis l'accent sur l'implication dans sa communauté. Quelque chose qui m'a surpris aussi un petit peu, c'est... je l'ai écrit, donc c'est quand on est né dans un milieu francophone majoritaire, on a de la difficulté à reconnaître les défis. Donc, c'est une perspective unique comparée à celle que nous adoptons ici des fois, tu sais, dans un milieu francophone minoritaire. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils ont aussi parlé de la diversité en gouvernance, donc ils avaient aussi une image de le numéro 6 et le numéro 9, et c'était comme deux personnes qui l'observaient. Donc, c'était une petite représentation que la diversité en gouvernance, c'est toute une question de perspective. Donc, quand il est question de diversité et d'inclusion, il faut intégrer différentes façons de travailler. Donc, en général, cette discussion-là a été ma discussion préférée du congrès. Et la citation que j'ai gardée en tête, c'est « L'inclusion devrait être la norme ». Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Le troisième atelier, donc, et le segment, c'était « Leçon de pandémie, quand l'adversité nous pousse à être meilleurs ». Donc, j'ai gardé ça le plus bref possible. Alors, ils ont beaucoup discuté des effets de la pandémie sur différents conseils scolaires francophones. Et selon les discussions, il y avait plusieurs qui avaient avoué avoir perdu moins d'enseignants qu'ils ne le pensaient depuis que la pandémie a commencé. Donc, ils ont perdu moins d'enseignants, comme je veux dire, il y a moins d'enseignants qui ont lâché ou qui ont quitté. Et aussi adopté beaucoup de façons de gestion résilientes. Puis, il y avait une question, qu'est-ce que vous auriez voulu garder quand même avant la pandémie, qu'est-ce que vous auriez mieux savoir comme le plus tôt possible? C'était vraiment cette technique de gestion-là parce que vu qu'elle était très, très résiliente, donc c'était très difficile, mais ils auraient aimé garder cette énergie-là, cet entrain-là, même avant que la pandémie existe. Et finalement, on a eu l'Assemblée générale, donc il y a eu l'élection des membres du conseil de l'administration de la FNCSF. Donc, plusieurs des enjeux prioritaires, c'était de favoriser l'embauche des enseignants, bonifier l'appui financier, faciliter l'offre de services. Puis, il y a aussi une des initiatives qui ont parlé d'être réalisées en 2020-2021, c'est l'organisation d'un symposium en petite enfance. Donc, ce résumé était bien plus abondant que je pensais. Cependant, je voulais juste partager l'expérience du point de vue des élèves conseillers. Donc, merci beaucoup. Et là, on va maintenant se diriger vers les questions et préoccupations des élèves, donc avec le formulaire que nous avons soumis au réseau des élèves. Alors, on avait lancé 5 questions dans notre formulaire.
divisé en trois sujets importants selon nous. Donc, la première question, c'était comment avez-vous réagi suite à l'annonce du retour en semestre? Et en majorité, c'était une surprise assez générale. Et puis, un commentaire intéressant qui nous a un petit peu piqué notre curiosité. Donc, l'élève a réagi positivement au fait que quelque chose semble retourner à la normale, mais négativement à l'idée du volume de travail de quatre cours après avoir vécu deux cours à la fois pour si longtemps. Donc là, je vais passer la parole à Daniel qui va expliquer encore les autres questions qui ont été répondues. Merci beaucoup, Marianne. Donc, les trois prochaines questions qui ont été posées au réseau des élèves ont été inspirées suite à la communication de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes et le CALAC francophone d'Ottawa, ainsi que l'article publié par Le Droit hier portant sur les codes vestimentaires au CSCE. On sait que le code vestimentaire, c'est vraiment géré à chaque école individuellement et non par le conseil. Mais si c'est un enjeu qui est important aux élèves, on pensait que c'est une bonne idée de juste leur poser une couple de questions puis aborder ça avec la table politique ce soir. Donc, on a lancé trois questions dans le formulaire, juste plus pour comme sensibiliser la table politique. La première est, est-ce que le code vestimentaire est un enjeu qui est toujours pertinent à votre école? Donc, est-ce que les GDE en discutent encore aujourd'hui? Et 100% des élèves ont répondu oui. La deuxième question était, votre code vestimentaire a-t-il été mis à jour dans les dernières années? 60% des élèves ont répondu oui, 20% ont répondu non et 20% ont répondu je ne sais pas, parce qu'évidemment, les élèves ne savent pas tout. Et la troisième question était, en sachant que le code vestimentaire est un dossier géré par école, avez-vous une opinion ou expérience personnelle au sujet du rôle du conseil dans l'influence et l'établissement du code? Les réponses à cette question sont très difficiles à résumer puisqu'elles sont spécifiques à chaque élève. Mais si vous le souhaitez, moi et Marianne aimerions vous envoyer un genre de compte-rendu de leurs réponses ou tout simplement leurs réponses placées dans un document propre que vous pouvez lire pour avoir une meilleure idée des pensées du réseau des élèves. Ça, c'est seulement si vous souhaitez recevoir ces réponses-là, évidemment. Ça conclut les trois questions qu'on a posées par rapport à cet enjeu-là. Je vais passer la parole à Marianne à nouveau pour la dernière question. Merci beaucoup, Daniel. Donc, pour notre dernier sujet du rapport, donc c'est un problème ou un enjeu que nous avons observé dans le milieu scolaire. Donc, il avait eu l'élimination d'une sortie prévue en théâtre à mon école, Béatrice Deloge. Bien que la concentration danse puis participer à des sorties, la concentration de théâtre, elle s'est faite refuser une sortie extérieure, tandis que l'autre école participante de la salle a pu y aller, tandis que Béatrice Deloge a été forcée de rester en arrière. Donc, suivant cet événement, il y a eu une multitude d'élèves qui sont venus nous parler de ce conflit, portant sur la sortie qui n'était plus une sortie finalement. Il y a eu, de ce que j'ai pu voir, plusieurs courriels qui ont été envoyés au conseil concernant les besoins des classes artistiques à l'école. Donc, j'ai donc pris quelques extraits d'un des courriels à la discrétion d'un ensemble d'élèves à Béatrice Deloge. Donc, il y a une des citations que c'est les élèves du CAPO et du OSCB peuvent dorénavant participer à des activités artistiques enrichissantes et beaucoup plus sécuritaires quant aux mesures sanitaires que celles des concentrations artistiques au CSCCE. Ce groupe d'élèves avait aussi entraîné le sujet des instruments de musique à l'école, comme quoi les élèves qui jouent des instruments de musique doivent continuer à pratiquer leurs instruments à l'extérieur, et ce, dans le froid qui arrive à grands pas, toujours incertain s'ils pourront éventuellement, encore une fois, se réjouir, au sein de leur programme d'or. Donc, ça, c'est juste d'après nos observations, en milieu secondaire artistique, les élèves semblent avoir pris cet enjeu en main. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, hein, Daniel et puis Marianne. On apprécie la table politique vous entendre vraiment. Puis, merci pour le travail d'extra que vous faites aussi, là, vous entendre les sondages que vous faites, puis vraiment parler à vos amis, aux élèves dans les écoles, puis tout ça. Là, on vous les représente vraiment bien parce que vous nous apportez des informations concrètes, donc et des informations à jour aussi. Alors, c'est grandement apprécié. Juste avant de donner la parole à la conseillère Savoie-Dé, je vais demander à M. Bertrand pour le dernier point que tu as soulevé, Marianne, au niveau là, de qu'est-ce qui s'est passé à BD, au niveau du spectacle artistique.
Oui, on a reçu, moi j'ai reçu et d'autres ont reçu des courriels à ce sujet. Je peux te dire qu'on a demandé des suivis immédiatement également pour s'assurer qu'on comprenait la situation et que la situation est comprise par tout le monde aussi. Mais je vais laisser M. Bertrand peut-être donner juste des grandes lignes de ce qui était fait et la suite des choses. M. Bertrand? Oui, certainement. Bien, je veux moi aussi vous remercier pour le partage des informations puis vos initiatives. Donc, je pense qu'il y a deux éléments qui ont été soulevés ici. Le premier, c'est la question des sorties éducatives. Je vais l'aborder peut-être plus dans l'angle général, puisque, dans le fond, cette consigne ou cette situation s'applique à l'ensemble des écoles du CECCE. Suite, évidemment, vous êtes sûrement pas sans savoir que l'administration échange régulièrement avec Santé publique Ottawa et les autres bureaux de santé sur son territoire et que depuis le début de l'année scolaire, en fait, les sorties éducatives ne sont pas permises dans les écoles. Dans le fond, il ne s'agissait pas d'une situation propre à la sortie de Béatrice Desloges, mais bien pour l'ensemble des écoles. Évidemment, la raison, c'est pour protéger les élèves et le personnel de la transmission suite aux recommandations reçues des bureaux de santé publique. Donc, dans ce cas, je crois, au niveau de l'école, il y a eu une organisation qui était souhaitée et une sortie où, effectivement, des élèves d'un autre conseil s'y sont trouvés. Mais dans cette situation comme telle, l'administration ne se trouvait pas en faveur d'ouvrir ou de donner une exception à l'école Béatrice Desloges d'abord. D'autant plus que la sortie impliquait aussi des élèves justement d'un autre conseil, ce qui aurait provoqué là, un mélange, si vous voulez, de deux cohortes, aussi ce qui est à l'encontre là, des recommandations de santé publique. Ceci dit, de ce que je comprends de l'échange là, qu'il y a eu entre l'administration et la direction d'école, ce n'est qu'un report pour cette sortie puisque l'administration explore avec la direction d'école une option de reporter, par exemple, cette sortie pour la remplacer par une autre où il pourrait y avoir justement toutes les mesures sanitaires en place pour s'assurer qu'on protège bien les élèves et le personnel dans cette situation. Donc, je peux comprendre pour les élèves de Béatrice Desloges, c'est décevant, on le comprend, mais vraiment, là, c'est la position qui a été prise. Mais sachez que l'administration travaille avec Santé publique, justement, mais aussi à l'interne, un processus pour recevoir des demandes spécifiques en lien avec des sorties éducatives pour voir lesquelles seraient permissibles et lesquelles, en raison là, des contraintes, ne le seraient pas. Donc, tout ça, ça risque de sortir sous peu. Et je sais aussi que le surintendant Dupuis a été impliqué et aussi, là, il a rencontré le personnel de l'école Béatrice Desloges là, au courant de la semaine en cours. Si vous me permettez aussi, je vais enchaîner avec, à moins qu'il y ait des questions, là, mais j'enchaînerai avec la question de l'utilisation des instruments avant. Puisque ça aussi, c'est une question qui, dans le fond, dans laquelle l'administration a aussi été bien impliquée. Sachez ici que le défi est que Santé publique Ottawa ne recommande pas l'utilisation des instruments avant à l'intérieur. Et je suis bien au fait, comme les surintendances d'éducation dans les écoles secondaires, des défis actuels. J'ai eu la chance d'être justement à Béatrice Desloges avec la direction d'école alors qu'un groupe d'élèves dans leur cours de musique revenait dans l'école et ont eu à transporter leur lutrin. Certains avaient une tuque puisque le temps commençait à faire froid et on le comprend. Donc, à présent, les élèves ont pu continuer la pratique de leur instrument à l'extérieur et ça en fonction des recommandations de santé publique. Mais sachez aussi que l'administration travaille de près avec santé publique et une stratégie qui est proposée. En fait, l'administration a présenté un plan verbalement hier ou avant-hier justement à Santé publique pour essayer de voir si la docteure Hitchell serait prête à recevoir le plan pour voir si on pourrait justement remettre en place l'utilisation des instruments avant. Mais il faut vraiment considérer tous les enjeux et présentement, ils ne sont pas permis en raison de la grande quantité d'aérosols qui sont produits quand on utilise des instruments avant dans l'air. Et cette recommandation vient non seulement de Santé publique, mais évidemment des médecins en chef là, qui travaillent dans tous les bureaux de santé publique. Donc, je suis conscient qu'il y a d'autres conseils qui ont choisi de permettre cette pratique malgré la recommandation de ne pas le faire par Santé publique. Mais vraiment, comme je vous le dis, notre priorité, c'est vraiment la santé et le bien-être. Donc, l'administration cherche une autre façon d'aller chercher l'approbation de santé publique avec une proposition là, qui est sur la table. Donc, j'espère vraiment, là, d'ici la fin de la semaine, avoir des informations aussi à partager à l'ensemble des écoles, puisque cette situation, comme je l'expliquais, s'applique à toutes les écoles. Parfait. J'espère que... Bien, merci, M. Bertrand, puis merci encore, Marianne, de l'avoir soulevé. Conseillère Savoie-D.
mon moment préféré de la soirée, c'est le rapport de nos élèves conseillères. Votre franchise, votre honnêteté dans votre rapport, votre professionnalisme, on peut juste parler du fait que vous êtes archi préparé et puis que si vous étiez comme dans le cadre du travail, si vous n'étiez pas des étudiants, si ça c'était votre job, là, wow, comme, hey, vous êtes professionnel, vous êtes préparé, vous faites un travail exceptionnel, puis j'apprécie vraiment ce que vous contribuez à nos discussions. Parce que souvent, nos discussions, tu sais, on parle beaucoup de politique, puis on parle de finances, puis on parle de choses, puis on ressent pas toujours le pouls de nos élèves. Puis vous nous rappelez les choses qui sont importantes pour nos élèves. Tu sais, puis vous en avez fait des sacrifices, là, pendant cette pandémie-là, puis vous en avez perdu des choses, puis vous continuez à en faire, tu sais, c'est... Les programmes d'art, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui fait que tu as une expérience positive à l'école. C'est tellement... Les expériences qui sont riches, puis c'est vraiment... ça me brise le cœur que vous continuez à devoir faire ces sacrifices-là. Et puis, je veux juste que vous sachiez qu'on le voit, on vous voit, puis on voit comment c'est difficile. Et puis, on vous supporte, puis on est là pour vous autres. Puis continuez à nous dire les choses qui sont importantes pour vous autres. Moi, j'aimerais que vous nous envoyiez aussi votre rapport sur le code vestimentaire, donc les questions que vous avez envoyées puis les réponses que vous aviez eues, parce que c'est une discussion qui est importante, c'est quelque chose qu'on a vu dans les médias, ça fait que ça m'intéresse beaucoup, puis j'apprécie que vous soyez allé chercher des informations supplémentaires puis de la recherche pour pouvoir nous aider aussi à vraiment savoir qu'est-ce que nos élèves veulent. Alors, merci. Marianne, tu as parlé de quand l'adversité nous rend meilleurs et de résilience. Vous nous montrez à chaque fois qu'on se rencontre que vous êtes capable de surmonter les gros défis que vous avez devant vous et qui vous rendent meilleurs. Et la résilience, je veux dire, vous nous la démontrez. Ça fait que merci pour ce cadeau. Là, je m'en viens, là, comme on va pleurer. Merci beaucoup. Ça me ferait vraiment plaisir. Que vous soyez ici avec nous ce soir, puis tous les soirs, puis que vous apportiez comme votre 1000%, comme merci. Merci, conseillère Savoie-D. Alors, ça reflète, je pense, que ce que chacun de mes collègues ressentent également. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non? Parfait. Merci beaucoup encore, Marianne, puis Daniel. Alors, nous allons continuer avec le point 12.3, les activités mensuelles des membres du conseil et de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des choses à soulever, à changer, corriger? Sinon, je continue. Le 12.4, couverture médiatique. Est-ce qu'il y aurait des questions? Quelque chose à soulever? Non? Parfait. Le 12.5, le calendrier des activités du conseil. Donc, eh bien oui, tout le monde, nous arrivons au mois de décembre. Donc, un autre mois et l'année 2021 se termine. Donc, le mois de décembre, vous voyez que certaines activités, le déjeuner flocon de neige que nous avons à chaque année également, le vendredi, le 3 décembre. Nous avons différentes journées nationales sur différents thèmes également. Notre séance annuelle qui va avoir lieu le 7 décembre prochain par le virtuel. Et comité de participation des parents aussi, comité consultatif pour l'enfance en difficulté. On a indiqué que la visite du pape au Canada, donc quelque chose qu'on avait attendu. Alors, on attend voir les détails de ceci également et l'impact que ça va avoir au niveau de sa visite. Et la dernière séance comme telle du conseil va avoir lieu le 21 décembre. Et à partir du 24 décembre, ça va être le congé hors calendrier ou congé scolaire jusqu'au 10 janvier par la suite. Donc, voilà qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de décembre. Est-ce qu'il y aurait des questions, des choses à soulever? Non? Parfait, merci. Le 12.6, l'agenda annuel 2021-2022, donc la mise à jour, est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Parfait. Et nous avions un point qu'on avait ajouté, le 12.7. Donc, c'est une mise à jour que M. Bertrand va nous faire sur toute la question
du partage de locaux ou de l'ouverture des locaux qu'on offre à l'habitude, à la communauté, à certains regroupements communautaires. Donc, M. Bertrand, si vous voulez nous faire une petite mise à jour, s'il vous plaît, de qu'est-ce qui se passe avec ce dossier? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, effectivement, l'utilisation communautaire des espaces a toujours été une priorité pour le Centre-Est. Et comme on le sait, là, cette pratique a été arrêtée ou mise sur la glace en raison de la pandémie depuis un certain temps. Et on le sait aussi dans la communauté que les restrictions sont différentes en ce qui se passe entre la communauté dans les événements. On se retrouve avec des cinémas, des arénas, d'autres types de rassemblements qui sont permis à la communauté. Mais dans les écoles, ça demeure quand même restrictif en raison du fait que les autorités en santé publique veulent absolument que les écoles demeurent ouvertes, comme c'est vraiment bénéfique là, pour la santé mentale et le bien-être, les aspects sociaux aussi des élèves et des familles. Donc, ceci dit, l'administration s'est penchée sur la question depuis un certain temps de l'utilisation communautaire des espaces par des groupes communautaires qui se font après les heures de classe, donc en soirée fin de semaine. À cet effet, je vais inviter la surintendante Paquette d'offrir une mise à jour de la stratégie que l'administration compte déployer au courant des prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Bertrand. Bonsoir. M. Bertrand a très bien mis la table. L'administration travaille quand même depuis un certain temps à permettre cette réouverture pour justement laisser nos partenaires retrouver les activités en soirée. Donc, comme M. Bertrand disait aussi, il y a des exigences du Bureau de santé et également le ministère de l'Éducation est venu ajouter à cet effet certaines consignes. Donc, le CSSE, on a voulu agir en prudence. Donc, on y va vraiment par phase d'ouverture. Donc, notre première phase commence la première semaine du mois de décembre. On a ciblé 3 gymnases, un dans l'est, dans le centre et dans l'ouest, des écoles secondaires. Donc, ce sera 3 écoles secondaires qui vont ouvrir leurs portes du lundi au vendredi. Il n'y aura pas de fin de semaine pendant le mois de décembre. Puis, pendant nos phases d'ouverture 1 et 2, on cible vraiment les groupes jeunesse et les groupes qui possèdent déjà un permis de location avec le CSSC. Donc, on n'acceptera pas pour les 2 premières phases des nouvelles demandes. On va aller avec nos locataires, pardon, les gens qui empruntent nos locaux qui étaient déjà, qui occupaient déjà un permis. Donc, la phase 1 est au mois de décembre. On entend déjà la phase 2 au mois de janvier au retour du congé. Donc, ce sera tous les gymnases des écoles secondaires à Ottawa, dans la région d'Ottawa, à l'exception du centre d'innovation. Et la location à ce moment-ci sera du lundi au dimanche. Donc, on ajoute maintenant les fins de semaine. Et encore, on cible nos groupes jeunesse et également nos groupes qui ont déjà des permis d'occupation. Nos prochaines phases, ce sera d'autres ouvertures et également, si nos groupes jeunesse sont bien desservis, on va pouvoir ouvrir aux groupes adultes. Oui, M. Bertrand. Merci bien. J'aimerais rajouter, dans le fond, que vraiment l'approche en phase est vraiment pour s'assurer de bien orchestrer tout cela. Puisque, comme vous le savez, dans la communauté, cela prend une preuve vaccinale pour faire partie de l'utilisation des espaces communautaires. Et selon les dernières directives du ministère de l'Éducation, reçues quand même tout récemment, ça va être important que les partenaires qui utilisent les espaces scolaires en soirée fête semaine collectent les preuves vaccinales et s'assurent là, du retraçage, par exemple, des contacts, etc., comme ailleurs en communauté. Donc, l'administration a su obtenir un avis légal à cet effet et ajouter les clauses nécessaires pour bien protéger les intérêts du conseil, mais surtout pour diriger ces groupes communautaires dont l'accent est vraiment mis sur les groupes sans but lucratif afin qu'ils puissent aussi mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs membres également. Donc, c'était une petite précision que je souhaitais apporter. Mais je remercie Mme Paquette vraiment pour tous ses efforts. Et vraiment, là, ça fait plusieurs conversations qu'elle a avec la santé publique et les autres conseils scolaires afin de pouvoir arriver à ce point-ci. Donc, je tiens aussi à souligner vraiment son dévouement et son professionnalisme dans ce dossier. Parfait. Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci beaucoup, Mme Paquette, pour la mise à jour. Conseiller Mariage, vous avez des questions, commentaires? Oui, merci, Mme la Présidente. Puis ça me soulage, M. Bertrand, parce que
Je peux vous dire, vous avez fait allusion tantôt que ça refroidit un peu dehors. Donc, j'ai l'impression que les demandes pour des espaces intérieurs pour pratiquer des sports qui sont pratiqués dans un gymnase, etc., vont augmenter. Puis, je peux vous dire qu'il y a un certain démarchage politique qui se fait. Je sais que j'ai eu quelques appels d'élus et aussi de groupes communautaires qui ont un certain intérêt à que les choses réouvrent. Je me posais la question si il était pour avoir peut-être un communiqué de ce plan-là aux parents, parce que je pense que ce serait prudent de communiquer le plan du conseil quant au partage des installations scolaires, qu'on puisse aussi, de façon proactive, répondre aux questions des personnes intéressées, mais aussi de personnes qui ont un intérêt aussi, une responsabilité. Je pense à la ministre McLeod comme ministre des Sports ou aussi Mathieu Fleury comme ambassadeur des sports à Ottawa, qui aurait peut-être un certain intérêt à savoir quels sont les plans des différents conseils quant aux utilisations des installations scolaires. Donc, ce serait peut-être bien de le faire de façon proactive. Ce serait ma suggestion. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Mariage. Puis on sait aussi l'utilisation de nos locaux. On parle beaucoup de sport aussi, mais il y a aussi des regroupements, des styles, les Jeannettes, les guides, aussi ce genre de groupes-là aussi qui sont à la recherche là, de retourner dans nos écoles comme ils étaient dans le passé. Mais j'apprécie que vous me donnez l'information aussi, les phases qui vont être respectées aussi, puis tout dans le but, c'est la santé, la sécurité, puis de respecter qu'est-ce qui nous est donné aussi comme barème au niveau de différents bureaux de santé publique. Mais M. Bertrand, vous avez quelque chose à ajouter? Sur la question oui, de M. Mariage. Il s'agit d'une excellente suggestion. D'ailleurs, l'administration a prévu une lettre aux parents pour leur expliquer tout cela, en plus là, des mesures sanitaires qui seront mises en place pour la désinfection après l'utilisation des espaces communautaires, puisque l'administration anticipe que ce sera une question qu'ils auront. Donc, c'est prévu dans la stratégie de l'administration de communiquer justement cela aux parents pour les rassurer, mais aussi pour les informer. Supplémentaire, Madame la Présidente, si je peux me permettre. Nos lettres sont toujours excellentes et sont toujours pleines d'informations. Est-ce que je peux suggérer au niveau des communications peut-être une infographie ou quelque chose qui explique clairement un peu c'est quoi les phases, qu'on peut regarder ça puis avoir un bel aperçu des phases à vue d'œil facile, parce que je pense que ce serait utile pour nous aussi. On peut amplifier sur les médias sociaux au besoin, là. Si on se fait poser des questions ou par courriel, si quelqu'un demande c'est quoi le plan, on peut envoyer l'infographie qui aurait ça au bout des doigts sans avoir à lire un document qui pourrait être beaucoup de jargon des fois. Merci. OK. Parfait. Merci beaucoup pour le message. Puis aussi, je pense que c'est un message qui est autant pour la communauté, pour dire qu'est-ce qui se passe aussi, puis pour les regroupements communautaires qui attendent impatiemment de pouvoir retourner faire les activités. Mais également, c'est le message qu'on veut passer aussi aux parents, parce que les parents vont aussi avoir des questions, oui, pour leurs jeunes qui participent à ce genre d'activités, mais également, comme vous avez souligné, M. Bertrand, si on a des groupes qui rentrent dans nos écoles, qu'est-ce qu'on doit faire comme étape aussi pour s'assurer que tout est bien nettoyé, puis tout ça pour les élèves qui viennent à l'école le matin. Donc, je pense que c'est ce genre d'informations-là qu'il faut transmettre à un peu tout le monde. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires sur ce sujet? Non? Et merci beaucoup de la mise à jour et puis merci pour tous les efforts aussi, parce que je sais, les gens sont impatients, on a tous hâte de retourner à la normale, mais on a juste quelques petites étapes de plus et de plus de patience à prendre jusqu'à temps qu'on arrive à ce point-là. Donc, j'apprécie les efforts qui sont faits par tout le monde dans les écoles et au niveau de la gestion aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, nous avons terminé pour communication et appui. Alors, la recommandation que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues. Proposée par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Burns en faveur.
Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point 13, agenda automatique, c'est sans objet. Donc, nous sommes au point 14, auto-évaluation. En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question? Sinon, oui, conseiller Rainbow. Oui, j'aimerais faire écho à un commentaire de Mme Savoie-Dé. Le rapport de nos conseillères élèves, j'ai tellement apprécié leurs commentaires, leur rapport, l'enthousiasme qu'ils amènent à notre table. Je suis tellement content de leur écouter et de savoir qu'est-ce qui arrive dans leur monde, dans les écoles, et j'apprécie énormément ce qu'ils amènent à notre table. J'apprécie ça énormément et je crois que c'est bon pour le conseil, c'est bon pour les élèves, c'est bon pour tout le monde. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Rimbaud. Conseiller Mariage. Oui, merci, Mme la Présidente. Je pensais à notre honneur et mérite aujourd'hui, puis Jason, le surintendant Dupuis, l'a mis dans le chat, mais je veux dire, on voit vraiment la valeur de nos programmes Focus quand on voit ce genre de succès-là. Puis c'est vraiment, en tout cas pour moi, une des valeurs ajoutées de notre conseil à nous. Parce que, je veux dire, nos programmes, puis de la richesse de notre personnel aussi, parce que sans quelqu'un qui a un intérêt dans ce sujet-là, on n'aurait pas ces Focus-là. Donc c'est vraiment... On s'en va chercher les intérêts des enseignants et des enseignantes. Puis, ça se voit parce que la passion des enseignants et des enseignantes se transforme dans la passion de nos élèves. Puis, le fait qu'on ajoute des focus quasiment à chaque année est un exemple, je pense, de la richesse de ce programme-là. Puis, donc, je lève mon chapeau aux enseignants, aux enseignantes qui chapeautent un programme Focus. Puis, j'encourage ceux qui ont un intérêt peut-être d'en partir un, d'explorer ça avec l'administration, parce que c'est sûr que de partager la passion, ça inspire d'autres. Donc, pour moi, c'était un peu ma réflexion suite aux honneurs et mérites aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Puis, vous avez apporté des choses qui sont du concret également. Puis aussi, il ne faut pas oublier un autre de nos du travail qu'on fait, c'est oui, les finances. Donc, toute la question de l'excédent aussi qu'on a approuvé, qui va pouvoir donner également d'autres appuis dans la classe. Lorsqu'on parle de terrain sportif à Marie-Lévier, équipement de scène à Marie-Lévier, même l'air climatisé, la climatisation à Samuel Genet pour s'assurer que les élèves sont confortables et notre membre du personnel aussi à Kenville. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'impact en salle de classe avec ces décisions-là aussi. Donc, je pense qu'on a eu une très bonne rencontre ce soir, encore une fois. Alors, s'il n'y a pas rien d'autre, je vais demander à un proposeur et un appuyeur pour suspendre la rencontre au public pour qu'on puisse aller à huis clos. Alors, proposé par le conseiller Rainbow et appuyé du conseiller Lemelin en faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci à ceux qui ont participé en ligne également. Merci de votre présence. C'est grandement apprécié. Et je vais demander à tout le monde de se suivre sur le huis clos, sur l'autre lien que nous avons. Donc, bonne soirée à tout le monde.